écoute ça. Le malheur, c'est que tu vis trop renfermé et que tu as définitivement perdu confiance en autrui. On ne peut tout de même pas reporter toute son affection sur un chien. C'est rien. C'est le fils du voisin. Bonjour mon amour. Ça va? Bien dormi? Fais du café. Il est encore chaud. Tu vas où? Faire quelques courses. Mais j'en ai pas pour longtemps, tu vois. Tu veux quelque chose en particulier? Bah non, attends, je viens avec toi. Non. Toi, tu profites, tu restes là. Si tu te couvres bien, tu peux te balader, il y a des coins hyper mignons. Je suis sûr que t'adorerais. Enfin, d'ailleurs, faudra qu'on revienne au printemps. C'est encore plus beau, quoi. Il y a la nature qui renaît, les petits oiseaux, c'est fou. Ouais, et j'ai refait le feu. Ouais. Marguerite! Allez, viens là, ma belle, reste là. Sois tranquille. Bonjour. Elle s'appelle vraiment Marguerite? C'est drôle parce que moi aussi je m'appelle Marguerite, mais je préfère qu'on m'appelle Margot, ça fait moins. Vous habitez dans la vieille ferme? Ouais. On est voisins alors? Moi, c'est la première fois que je viens ici, mais Edouard tenait absolument à me faire visiter sa maison de vacances. Vous connaissez Edouard? J'ai plus connu ses parents. On voit plus grand monde dans la maison ces temps-ci. Il est pas avec vous, Edouard? Non, il est parti faire les courses. On doit s'ennuyer si elle a longue, non? Ça dépend des jours. Vous avez pris quelque chose? Vous allez manger ça? Bah oui. Mais celui-là, il attendra demain pour passer à la casserole. Bon, bah je vais par là, moi. Je vous offre quelque chose de chaud. Faites pas attention aux désordres. On voit jamais personne, alors. Merci. Vous voulez du lait? Du lait? Pour le café. Ah oui, je veux bien.
On n'en a plus, en fait. Ah non, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis sûre que le café est super bon. Vous vivez seul? J'ai Marguerite. Ah oui, c'est une bonne compagnie, les chiens, ça. Et vous aimez la lecture? Je peux? Oui, bien sûr. Ça vous ennuie si je m'occupe du repas? Prenez votre temps pour le café. Merci. Bah, je savais pas quoi prendre, alors j'ai opté pour du tout prêt. Hein. Mais pour m'attraper ce soir, je t'emmène au restaurant. C'est quel tiroir, les couverts? Voilà. Tu t'es pas trop ennuyé ce matin? Tu t'es baladé un peu? T'as vu, hein? C'est beau, c'est calme, c'est reposant. J'ai croisé le voisin, il a l'air gentil. Lucien? Ah, c'est marrant. Je l'ai toujours connu ici, toujours accompagné d'un chien, dans la même maison. En fait, c'est bon plan. Moi, je l'envie un peu. Je me dis, personne pour l'embêter. Il est là, tranquille, pas de compte à rendre. Enfin, quand tu grandis à la ville, la campagne, c'est toujours hyper libérateur. En fait, c'est l'endroit idéal pour élever des enfants. T'es pas d'accord? Si, si. On a que ça? Ah ben, y a pas de couvert en argent, pas de verre en cristal. Hein. Ici, c'est que l'amour et de l'eau fraîche, mademoiselle Marguerite. C'est belle quand même. Edouard, qu'est-ce que tu fais? J'arrive. Je trouve plus mon manteau. Tu l'as pas vu? Il est là. C'est magnifique. Pâtes. Tu vas voir, ça paie pas de mine, mais on y mange très bien, les patrons sont vraiment sympas. On est vraiment obligé de sortir? Je me sens pas très bien, je crois que j'ai attrapé froid ce matin. Mais ça te fera du bien de manger chaud. Et puis de toute façon, c'est réservé. Tu veux pas qu'on invite le voisin? Il est tout seul, il doit s'ennuyer, je suis sûre que ça lui ferait plaisir, je vais lui proposer. Bon, Margot, j'ai pas prévu de passer la soirée avec un vieux! Margot, qu'est-ce que tu fous? Ça se fait pas déranger les gens comme ça. Et je me suis dit que peut-être que vous auriez envie de venir avec nous. Lucien, excusez-la, je sais pas ce qu'elle a. Margot, tu veux bien revenir, s'il te plaît? Je voulais vous remercier aussi pour ce matin, c'est... Margot, s'il te plaît. Edouard, arrête, tu me fais mal! Pourquoi tu veux pas l'inviter? Mais non, mais c'est pas... Merde, Margot, mais c'est important pour moi. Qu'est-ce qui est si important? Mais tu comprends vraiment rien? Ce week-end, cette soirée, ça devait être parfait parce que je...
grand, toi. Fiche-moi la paix. Merde! Donne-moi ça. On y va. Je suis désolée pour Marguerite et pour le... Margot ! On part plus tôt, du coup. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? On ne peut pas reporter toute son affection sur un chien. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Oh, Marguerite !